Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans ce 27e épisode de Au coin du DVD. 27e épisode donc qui signalera le début de la lettre M dans cette série de vidéos. La lettre M, honnêtement, j'ai pas mal de choses dedans et en même temps, j'en ai pas tant. C'est-à-dire que dans la lettre M, j'ai beaucoup de grands films. Je pense à Mulholland Drive, je pense à Minority Report. J'ai d'autres films plus mineurs que j'affectionne particulièrement, comme Martyr de Pascal Laugier ou Maniac. Et il y a un film que j'ai voulu recommander parce que il fait partie de ces films qu'on a tendance à cataloguer assez facilement comme étant une des productions Besson. Et ça va pas plus loin que ça. Parce que dans la plupart des gens, ben, les productions Besson, c'est juste des productions qui sont là pour rapporter du fric et rien d'autre. Et pourtant, je trouve que Michel Vaillant, de Louis Couvlaire, est un film qui vaut tout de même le coup d'œil. Je dirais pas que c'est un grand moment de cinéma, je dirais que c'est un moment de cinéma qui est prenant, qui est plutôt bien foutu, qui a la saveur d'une production Besson, tout en étant assez original pour réussir un peu à sortir du lot. Je dis pas que c'est une œuvre d'une grande subtilité, ça par contre, ça n'est pas le cas. Pour faire extrêmement simple, l'histoire de Michel Vaillant va se dérouler aux alentours des 24 heures du Mans, alors que Michel est en train de réunir son équipe pour pouvoir participer, et qu'il voit en face de lui revenir les leaders, qui sont les antagonistes principaux des Vaillants, si vous connaissez un petit peu la bande dessinée. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à savoir si on veut voir Michel Vaillant, parce que honnêtement, ça se voit que Louis Couvlaire, il a voulu tout simplement mettre en scène un bon film de course, avec surtout des prises de vue réelles. Ce qui est, mine de rien, assez couillu dans le genre, parce qu'en France, on n'a pas tant que ça de films de course de voiture ou même de films de voiture tout court. Enfin, soyons honnêtes, dans la production audiovisuelle française, je crois que le dernier film de bagnole qui ait eu qui se produit, c'était aussi une production Besson qui s'appelait Go Fast. Et c'est tout. Parce que sinon, la plupart des films français qui vont s'orienter là-dedans, ben, soit c'est des films qui vont préférer ne pas trop monter de courses de voitures, soit c'est des films qui vont faire des trucs autour, et je peux que saluer le geste de Louis Couvlaire qui au moins a le mérite d'essayer de porter à l'écran déjà une BD qui est culte pour ceux qui la connaissent. Moi personnellement j'ai grandi en lisant Michel Vaillant et j'aime beaucoup la bande dessinée Michel Vaillant, je la trouve très bien foutue. Le gros problème du film restant son scénario, on sent que Marchand et Besson ils ont juste voulu c'est la jouer plus classique tu crèves, donc en gros c'est les méchants, c'est les leaders, ils sont très très méchants, et les vaillants c'est les gentils, donc ils sont très très gentils. Et à aucun moment il y a vraiment d'instant où on se pose des questions autour d'eux, et en soi j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est juste que même en 2003 ça sonnait comme grossier, comme facile et comme cliché. Et même si j'ai de l'affection pour ce film, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même écrit avec les pieds. Mais derrière, Louis Couvlaire a vraiment essayé de faire en sorte que tout le récit se tienne par le biais de ses courses de voiture et par le biais de l'intensité dramatique qu'il va y avoir. Je parle pas forcément que des 24 heures du Mans, je parle aussi des rallyes qu'il y a à côté qui sont très très bien mises en scène, je trouve. Le film est un petit peu mélodramatique, mais étonnamment, ça fonctionne assez bien dans le genre. Le film a des interprétations qui, par moments, fonctionnent bien, mais voilà, Stévenin, il est pas trop mal, mais il a tendance des fois à un peu jouer de manière hasardeuse et ça fait que son personnage est plus ou moins attachant. Diane Kruger, pareil, elle n'est pas extraordinaire dans ce film. Je trouve pas non plus qu'elle soit mauvaise, mais c'est pas foufou. Ça se tient, mais c'est pas foufou. Et dans l'ensemble, le casting a tendance vraiment à en faire des caisses. Enfin, les acteurs qui jouent chez les leaders, il y a des gueules que vous connaissez dedans. C'est quasi à mourir de rire, tellement des fois ils sont complètement surjoués en roue libre. Mais voilà, je trouve en fait, j'ai de l'affection pour Michel Vaillant parce que je trouve que dans le genre, en France, il n'y en a pas deux des films comme ça. Il n'y a pas un autre film qui a été produit qui ressemble à ce film-là. Et ça fonctionne, ça se tient. C'est pas foufou, c'est pas un grand moment de 7e art, mais c'est divertissant. Et ça vaut le coup d'être quand même un peu réhabilité parce que malheureusement, le film a cette espèce d'étiquette de production Besson qui a tendance à catégoriser le film comme étant une production pour faire du fric et rien de plus. Étonnamment, je trouve que Michel Vaillant n'est pas le pire qu'il y ait en termes de production Luc Besson. C'est peut-être même une des meilleures. Donc si vous avez l'occasion de réhabiliter Michel Vaillant de Louis Couvlaire, eh ben, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Ça vaut le coup d'œil. C'est pas un grand film, mais ça vaut le coup d'œil. Et donc voilà, ainsi s'achève cet épisode 27 de Au coin du DVD.
Comme d'habitude, si vous avez vu Michel Vaillant, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas encore vu Michel Vaillant, allez le voir et revenez ici et dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, on va finir avec cette belle petite phrase. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.